parmi les musiciens bazalaki wana ebele baso la raté to mona ginde ba sagi bango ba tie mutu na ndenge na ye parmi les musiciens bazalaki na IGF ebele baso la raté d'après ozo to sa nous le lo émission na bato ba landa biso message y a inspecteur général a pesé pour ba musicien pour ba fanatique musicien na musicien bazana ba fanatique na bango peuple pa yokara bango na ba message na bango na ba concert ba betara partout population za la rawana est-ce que bango mono bolingo ezate message ni ba repesa na population o bazolanda biso parmi tobi ba musicien yo sauté y a aucun artiste parmi tous les artistes qui étaient là-bas là qui est dit n'a dit quelque chose. Moi j'ai vu que tout ça là c'était foutaise. Tout discours là c'était foutaise. À part Jean Goubal. J'ai dit quoi? À part Jean Goubal. Regardez leur discours. Hein, on va soutenir. Maintenant on est conscient de soutenir. Ou ça nous rappelle. On ne peut pas te rappeler. Chef de l'État a besoin de vos soutiens parce que vous êtes des ambassadeurs. Deuxièmement. Troisièmement, ça veut dire que vous d'abord, pour montrer que vous vendez bien l'image de votre pays entre vous. Est-ce que Ali Jeff là-bas, tu avais vu où Rassoné Kofi Olomide est en train de se parler? Hein? Oui. Tu avais vu Mama Tchala, moi, et Félix étaient liés, tout ça, les parler et tout ça avec les Ouéra? Non. Non, hein? Ah. Et puis, tu avais vu Billy Clinton et Inos Bi parler? Ah. Donc, tu as vu qu'il y avait un problème. Il y avait un problème de tendance. Il y avait Jean Goubal et Kofi, ils ont parlé pour bien faire la chose. Ah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit enlever tout ça. On doit enlever tout cet orgueil qui nous amène nulle part, tout cet orgueil qui nous vend pas devant notre nation. Ici dans notre propre nation, on sait que tel et tel ne parle pas. Merci. Vous voyez un peu. Merci. Et puis des leaders, comportez-vous en leader, ça veut dire qu'un leader n'attaque pas son ami leader. Ça veut dire qu'il soit petit ou grand, il ne peut pas. Parce que quoi? Si aujourd'hui vous des grands, vous nous montrez l'exemple que vous faites des rivales comme des petits gamins, nous qui encore gamins là, on va pas vous respecter. Merci. Et l'État là, quand il appelle un artiste, vous avez vu le président sénégalais non? Il a appelé Fally. Vous pensez que c'était gratuit? Fally Poupa. Mais si on n'appelle pas Fally, on va appeler encore qui? Ensemble, maintenant, président Rwanda. Mais vous aussi. Vous voulez encore faire problème parce que vous avez vu Fally Poupa manger même table où serrer la main du président de Rwanda. C'est un président. Quand Fatih Beto va à Rwanda, il serre la main là-bas. Ça ne vous dit rien. C'est moi quand Fally Poupa il est parti serrer la main. Et puis quoi? C'est Fally Poupa qui est parti chercher le président où ils sont croisés dans les dîners. Nous, on est des artistes, on est apolitiques, on n'appartient à personne. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Les artistes appartiennent à personne. C'est pour ça qu'on appelle artiste appartient à personne. Artiste, c'est un ambassadeur. Ça veut dire que vous donnez passeport diplomatique ou pas. Un artiste qui traverse des frontières, qui voyage, c'est un ambassadeur. Parce qu'il ne se limite pas à Tchangou. Dès que tu traverses à Brazza, tu vends l'identité de ton pays. Donc, un artiste, c'est anti-politique. On est apolitique. Merci. Voilà, dans un moment donné, maintenant, là où les Congolais, vous voulez, oh non, Fally, comment il peut, même dans les photos, maintenant, les autres, ils étaient contents. Ne pensez pas que les photos, là, vous voyez, Fally met tête comme ça, qu'il a manqué de respect au président de Gagame ou du président de Rwanda. Non, c'était la façon dont ils étaient en train, tu vois, ils sont en train de parler. Tu vois comment la tête bouge, non? Ah oui, c'est bien, j'aime bien Kigali, c'est trop propre. Hein, par rapport à, je ne sais pas, quel est votre gouverneur? Quel est votre gouverneur là-bas? Si vous nous pourrez, nous avons certains gouverneurs ici au Congo. Ah, Kinshasa, Bopeto. Non, je donne, non? La façon qu'ils étaient en train de parler. Mais là, à la fin, oh oui, ça va. Parce que Fally Poupa. À ce moment-là, il représentait Fatih. C'est comme si c'est Fatih qui était en table ronde là. Voilà. Vous voyez un peu? Voilà. Donc prenez ça comme ça. Et puis c'est un artiste. Ok? Voilà. Et puis il n'a pas matolé le président Kagame. Merci! Le président, moi Limba, avant que je parle, il y a ça là en côté. Voilà. C'est que c'est un millionnaire. Limba. Oui, Limba.
Imbe, le vrai vrai. Christian Gambin Bonikamba. Kanga terrain. Déjà disponible. Amour en goma kambo, goma kambo sire. Goma kambo selio. International de la femme Yango chez Djonga Denga Nantaba Babongi Selbino 3 jours de fête de la femme avec Bartiste et Adin Fouaté. Na programme Loko la Mokolo ya vendredi 11 mars 2022 Bokozo artiste et musicien Suzuki Luzubu 4x4 et l'ombana groupe na ye Bako Sepel Sabino Ozako Lia Ozako Mela Pe Ozako Bina. Le vendredi 11 mars 2022 chez Djonga D, venez savourer la bonne musique. Et puis bonne fête à toutes les femmes, parce que les femmes, on va les honorer le vendredi. Et mon collègue samedi 12 mars 2022, Bokozwa CNN Alligator, et l'ongona groupe naye, Oyo Bako Sepel Sabino, Nabanzembo ya kitoko. Journée internationale des droits de la femme. Alors, ba maman, bino ba tubozali à l'honneur. Botina ba texto na bino, ba nzembo bino bolingi, touyembe la bino ba nzembo, selon choix na bino. Dimanche 13 mars 2022, Sombele Souka Bisanga, Bokozwa, Emily Alias de Mingongo, La Voix qui cloche, et Longona, Wenge Poussala Tofanda, Bako Bini Sabino Barumba ya Solo Solo, Peba Danse ya Elengi, Ozako Lia, Ozako Mila. Chez Djonga Denga Nantaba, adresse Zaka Kase Moko, numéro 12, rue Puy Dixme, 94 310. Orly, Oza Mobimba, Nakati à Paris, paix au vivre événement. Poche Djonga Denga Nantaba, Yangonde Moboko ya ambiance, Nakati à Paris. Non, bah supporter Bagangi. Check, check, c'est Dicap la merveille, et PIB et de Oro. Bon, on va soutenir la fondation Yavien Abisso et ma mère, la fondation du Salis. Avoir assuré l'obsèque, avoir assuré l'habitation en Europe. Pas l'idée la cause, nous avons assuré. Même l'assurance habitation. L'assurance qui assure le diaspora africain. Et ma mère, Kala, yo yeli susu, non, les Salis y assurance. Yo Oyolingi, on s'assure, yaka, assurance auto Ezali, assurance rapatriement Ezali, mutuelle de santé Ezali, assurance auto Ezali, nami susu Oyo Koluka, ni on se Ezali, nali salisi assurance. Ndegona a vu traitement, ndegona yo, bakundiye na bolam ni on surtout vraiment te soutenir, c'est une bonne idée. Vous en mona? Quand il y a fondation, les salis, il y a imamé, on a la vérité, le côté exacté, banda et banda, fidélité, tout n'a pas été RTR, le papa de Gims. C'est l'assureur qui assure. Et ma mère a eu le sous fondation de salis. Et na bateau, va jouer le bateau Congo, faut la vie, on est dans bateau, va jouer sans la paix qui est Congo, ça va. Pourquoi la vie n'est pas imamé? L'assureur qui assure la diaspora africaine. Le handicap, la merveille, pour soutenir fondation de salis, la vie n'a pas été imamé. Automobile. Le permis français, le permis étranger, nous sommes. Y'a un amour, au revoir. Papier assurance. Fondation, il s'en ici. Bonne Fondation, il s'en ici. Solution panée. Ce qui est panée, t'es quoi? Ciao. Série exotique toute l'Afrique chez Glody vous offre l'alimentation bio en provenance de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Papa Zanaposa Kolé bio
apazana posa kolia biloko uti mboka kolia mungusu nyama ya zamba et autres. Contactez Claudie au numéro 15 cours de Rifi 65000 Tarbes. Pour la première fois sur Haute Pyrénées, Banaï à Toulouse, Banaï à Allemagne, Banaï à Belgique, Banaï à Suisse, livraison au premier niveau. Makambo ya kokende Château Rouge à Bou Pia. Contact et réservation au plus 33 07 58 29 62 88. Exotique toute l'Afrique chez Glody. C'est la meilleure, c'est la qualité, c'est la compétence. Exotique toute l'Afrique chez Glody. Ponabo pikiliki bonjoto. Caillou et commissa papa cowboy fatigué. Maman bima mon pépé. Papa que fait tu premier round a commis qu'on ronfle le col angoulo à Mélisse Savon. Solution et mon ami et pas y'a toute l'Afrique. Chez Claudie. 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 Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On est sur Landa Bisona, Elenge Congo TV, Kande na Lobaka, Tomesana vraiment, Koluke Labino Bartualité, pour Essepelisa, Babonne, Babonne Elenge Congo TV, et puis Ataboza, Babonne te mais quand même dans ma page, il y a Facebook, Nde Botelara, bah émission na Biso, et ça la Rabiso vraiment, bien, Martin Engi, double vitesse à viser, Naza toujours. Pour Nabino, naba conseil bo pesaka, ba message ba appel bo komara et ça la ramoi bien pour na musala na biso et kende toujours liboso. Merci vraiment na Freddy Ndongala Irlandais, patron des patrons, ba bifla toté les aka moko, le Irlandais na Kitambo Velodrome na Arechanique, kunande qualité chez Freddy Ndongala Irlandais. Merci pe na Junior Lange, le jeune patron na kati États-Unis. Moto moko bien Junior Lange na Pesio Bambote place aux Ali. Merci na la reine Karisha Saduk, maman sociale, la reine Karisha Saduk na Pesio Bambote. Surtout merci Karisha Saduk na kombo pesingai Martin Engi, double vitesse à fusée aigle ba journaliste. Merci vraiment la reine na Pesio Bambote. Merci pena Jansia Saduk la chinoise oyo azotel abiso. Merci na Kandu de Longindo, maman le Chris Miguel na Chypre décide. Mesdames et messieurs, toza ensemble awa na yorobo swag poto panza toloba nanu o esengi toloba IGF face aux artistes et musiciens congolais. Bon mona ki présence ya ba artiste ba leader a minene ya mboka na biso République démocratique du Congo na kata IGF ensemble un inspecteur général toko solango lelo na IGF wana. Bon mona ki présence ya monsieur l'ambassadeur de la culture Kofi Olomide Mopao, son excellence ndé tozo loba et ça va bien pour talaka ambassadeur. Tout mon peu présence y artiste émission Félix Soizé quoi Weranson Bainos B Berite Watanabe Badolf Dominguez Bamanda Chante Baredi Amise Maman Bia Belle Maman Chala Moana Batubazaki tel mebele na ba nego Guimar tout mon ami bango metro solano na yorobo présence rencontre wana oye salami pour un message inspecteur général pour un détournement ya ba mosolo ya biso ya yo ya nga peuple congolais. Est-ce que rencontre wana est important pour ba mission baya to bayate metro solango lelo ensemble na yorobo. Bonjour yorobo. Salut mon frère babi système garnet bah on va pas tout tout monde là bas là bon calme n'a pas les candidats là Poutine est là. Ah. Si vous vous amusez il est frappé. Celui qui a qu'à s'amuser pour ces nations là
J'ai frappé. Donc, Martin Engi, l'excellence du moment. Je te salue et je te resalue, mon frère. Bonne arrivée chez moi. Voilà, donc, comme on a parlé tout à l'heure, j'ai reçu beaucoup d'appels des gens. Ils disent, Yoro, ton absence, on n'a pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'es pas venu? Moi, il dit, calmez-vous. J'ai vous décortiqué un peu. Parce que Martin, tu sais, dans ces pays, il y a des gens qui n'aiment pas les gens. Ça veut dire que les gens n'aiment pas les gens. Mais les gens aiment plus l'argent. Ouais, puis non. Les gens n'aiment pas les gens, mais les gens aiment plus l'argent. Ça veut dire que c'est deux choses différentes. Matengi, aujourd'hui, nous vivons par la grâce de Dieu. Matengi, mais aujourd'hui, l'hypocrisie qu'on a dans la musique congolaise là. Moi, ça veut dire que moi, à un moment donné, je me demande. Est-ce que ils pensent quoi? On est dans une série télé? Ou c'est la réalité? Donc vous voyez un peu. J'ai regardé. Hier, je me suis habillé. Moi, je pense que j'ai eu à discuter. Ça fait plusieurs fois avec l'inspecteur général Gilles Alinguete, que j'appelle anticorruption. C'est moi-même qui a... C'est celui qui a consolidé. Donc, vous voyez que, au moment où les chefs... Dès le début, hein, c'est pas aujourd'hui. Où y a combien d'enfants enfant qui mettent à quoi met la terre à Kolongwa? Où y a un l'État au de la bonne encore. C'est pas un message. Qui a créé ça? C'est moi. Le peuple congolais a trop souffert à cause de Kimi Yibi, la ministre. Mais papa, j'ai tout chanté. Mais ça, c'est ça. Il n'y a aucun artiste congolais, moi, je te dis, qui peut chanter ça. Dans un moment donné, j'ai regardé l'inspecteur de loin. Moi, j'ai suivi tout, hein. Il y avait mon gars qui était là-bas, il faisait direct. Donc, j'ai regardé l'inspecteur Gilles Alinguete. J'ai dit, hey, Lévi a pris son temps. Mais sauf que, il ne s'est pas rendu compte que, dans tous les artistes que vous avez vus là-bas, là, c'est-à-dire que, s'il y a des conscients, hein, pour la nation, qu'on n'a pas d'autre nation, hein, pour notre pays, notre Dieu qui nous appartient. Ça veut dire que s'il y a des conscients, ça veut dire qu'une personne consciente, hein, il n'y a même pas cinq. Tu as vu la foule là, non? Laisse-moi te dire d'abord, mon frère, l'hypocrisie est mauvaise. On doit arrêter de vivre dans l'hypocrisie. On doit arrêter d'être des hypocrites. Les artistes congolais, regardez comment ils les ont placés. Hein. Donc vous partez, vous regardez seulement, cher monsieur, tout ça là. Vous ne voyez pas comment on a dispatché les gens. Ils savent que tel et tel, ils ne se parlent pas. Hier, il allait avoir un grand problème au IGF là-bas. C'est Dieu seul que j'ai prié. Comme j'étais le seul qui n'était pas là. Avec mon collègue Fali Poupa, que je salue de Paris. On est en train de savourer. Gold Tokos de. Donc. Et puis, papa chéri aussi. Et moi, appelé Jimé. Papa chéri. Il dit, alors, ouais, tu es là-bas. Je dis non, papa, je ne suis pas là-bas. Il me dit, c'est toi, IGF. Je dis non, je ne suis pas là-bas. Vous savez, non? Quand elle a commencé ça, ça fait 4 ans.
Ça fait 3 ans que je suis en train de dépasser. Ok? C'est pas aujourd'hui qu'on peut montrer à un macaque comment faire les grimaces. Hé! Hey, c'est inné! C'est inné! Vous ne pouvez pas nous prendre comme des petits torchons. Vous passez, vous dites, ah bon, vous savez, aujourd'hui, on a pris conscience que on doit vraiment soutenir la vision du chef de l'État, n'importe quoi. Foutaise. Quelle foutaise comme ça? Quelle foutaise? Il se moque de qui? Je ne peux pas citer. Moi, quand j'ai commencé, tu sais, ça veut dire que à un moment donné, j'ai suivi le discours de tout le monde. Tu vois, non? C'est qu'à un moment donné, tu sais, quand j'ai écrit la chanson Boloko, c'est vrai que les gens n'ont pas compris, c'est qu'il y a un morceau qui a 2 titres. C'est-à-dire que Boloko, IGF. IGF, Boloko. Au début, Yorobo a chanté Fatih Béton. C'est, moi, je n'ai pas encore chanté Fatih Béton. Hein. Quand je vais sortir les morceaux de Fatih Béton que j'ai chanté ici, là, personne ne va. Je vais écraser tout le monde qui va sortir les sons de Fatih Béton. En tout cas, là, on n'est pas encore là. On attend que la campagne commence. Ce n'est pas le moment. Mais, je te dis que j'avais chanté la chanson patriotique, ça veut dire nationaliste. Ça veut dire que je suis fier d'être Congolais. Ça veut dire que je vois tout ce qui se passe dans mon pays, je vois comment mon pays est en train d'évoluer. Malgré qu'il y a trop des insectes nuisibles à côté de mon président, mais il peut faire parce qu'il n'a pas commandé le pouvoir. Donc ça veut dire que je regarde ma vie, je regarde la vie quotidienne de beaucoup. Moi, je suis un ex-enfant soldat. Ça veut dire que mes projets que j'ai toujours eu dans ma vie, je ne l'ai pas encore réalisé. Moi, je connais comment les enfants militaires souffrent. Je suis passé par là. Mes vrais amis Kadogo sont devenus chégués dans ce pays. Chégués, ils dorment dans la rue, ils commandent 1000 francs. Moi, j'ai sacrifié mon enfance, je l'ai sacrifié. T'as vu comme Joseph Kabila a sacrifié? T'as dit que Joseph Kabila, il est là, il a sacrifié, non? On dit que Joseph Kabila, il a sacrifié son enfant. Pareil comme moi. Comme notre père, tu sais que Wamulumba, le père, hein? Il avait sacrifié aussi sa jeunesse pour cette nation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit se respecter. Vous voyez, ça m'a. En tout cas, c'est pas dit que Yoro, il est toujours contre, il veut toujours se faire montrer qu'il a envie de parler. Non, je dis la vérité, c'est l'hypocrisie. Voilà Yoro, bon, merci. Toujours continuer toujours. Na bande ko bote la biso partout dans le monde. Toso la nan li solo ya IGF. Je vais me lever un peu parce que je suis tellement énervé comme ça. IGF, Bazaki ensemble, Bena Bartiste Mission, Nabiso, Yalokumu, Yamboka Nabiso, République démocratique du Congo. Mais Elekeli Batebele, Batebele peut se déranger, Batouni. Ba musicien, na IGF, Bakesala, Nini. Boyoka ki message au inspecteur général à Lobaki. Pour na maramba détournement, maramba bele bele. Te occupe parmi Bango, Jean Bala Lobi. Abi, faut pe ba musicien, ou ba voyager à ba memarape Bangoulou. Na poto. C'est que bango pe bazo contribuer na ba mabeka ya mboka. Mais yo robot tout sur la nan. Parmi ba musiciens bazala ki wana et belé ba sur la raté. To mona ginde ba sa ki bango ba tie mutu na ndenge na ye. Parmi ba musiciens bazali na IGF et belé ba sur la raté. D'après ozo to sa nou le lo émission na bato ba Hollande biso. Message ya inspecteur général après c'est pas ba musicien pour ba fanatique musicien la musicien bazana ba fanatique na bango peuple pa yo kara bango na ba message na bango na ba concert ba betara partout population za la rawana est-ce que bango mono bolingo ezate message ni ba repesa na population o bazolanda biso parmi to bi ba musicien yo sauté parmi ba musicien bazaki wana. D'abord je remercie l'inspecteur général de l'IGF Gilles Alenguetti, anti-corruption. Et puis, si il a essayé de consolider tous les artistes, ça veut dire que rassembler tous les artistes, ça veut dire que
Ah mon Dieu. Vous avez le rôle, bana mono. On les mis c'est une mission, yo robot. On les mis c'est une mission. Non, je suis pas. Vous savez, je ne peux pas. Vous savez quand ça regarde la nation, ça dit que je deviens tellement sérieux que je vois comment on est en train de blaguer avec des vues de gens comme ça là. Vous savez, notre pays n'a pas besoin des hypocrites. Non, quand tu dis que notre pays n'a pas besoin des hypocrites, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la musique congolaise, il n'y a pas l'amour du prochain. Dans la musique congolaise, il n'y a pas la solidarité. Moi, je t'ai dit que quand tu étais là-bas dedans, là, tu ne regardais pas, tu voyais que ici, avec tous ces que les rumeurs qui ont circulé ces derniers temps ici, là, il devait avoir baston ici, hein. Ils avaient cassé les chaises de IGF ici là. Parce que là où il y a des artistes, il y a toujours du désordre. Alors que ça ne devait pas être le cas. Si réellement on est des leaders d'opinion, l'inspecteur a dit que je vous ai fait appel pour que vous nous aidiez un peu par rapport à ce combat. Parce que lui-même, l'inspecteur a compris que les leaders de l'opinion ignorent. Depuis Fatih Bento a pris le pouvoir, ignore l'IGF, ignore le combat, lutte contre la corruption, la corruption. Détournement. Moi, je prends tout. C'est pour cela qu'on s'est dit à ce moment, nous tous on est devenus anti-corruption. Mais moi, Yoro, je suis anti-corruption. Voilà. Présence, il y a un musicien. Présent, ça veut dire que tu as vu tous les artistes là. Quand ils ont entendu IGF, ils ont pensé qu'il devait avoir une petite enveloppe. Oh, donc IGF a bien que c'est bango, un musicien, va résonner que bazan l'enveloppe na bango mbongo na bango. Papa, moi j'ai pas compris. J'ai même commenté dans les sites déjà, j'ai dit Yahi Maïs à part que deux hier, je n'étais pas au courant. Mais vous voulez que je parle de quoi? Non, mais je te dis, c'est moi ce que j'ai vu là hier. C'est Maïcha Parc D, deuxième version, en 2022. Non, mais c'est. Je te dis que foutaise de foutaise. Eux-mêmes, quand ils ont mis des costumes là, les yeux là, ils ne sont pas dignes. Eux-mêmes, vous savez que. Il y a des fois aussi, IGF, tu sais que il y a beaucoup des artistes qui étaient là-bas, ils doivent à l'État. Ils ont emprunté de l'argent pour construire les immeubles. Hein. Oh. J'ai dit seulement. Eh, moi, j'ai cité le nom de quelqu'un ici. Émission qui tombe, émission goût. Ah, donc IGF là. Donc continue. Beaucoup sont venus aussi pour écouter, parce que au fond, ils se disent moi aussi, mon nom figure soit à la FPI. Tu comprends? Soit quelque part. Parmi les artistes qui étaient là-bas hier, à l'IGF même, qui doit à l'État, ils doivent emprunter. On ne sait pas s'il y a encore, ils remboursent jusqu'à aujourd'hui, mais on ne sait pas encore. Mais, ça veut dire que, moi aujourd'hui, je ne suis pas en train de minimiser, soit bafouer, soit vouloir quoi que ce soit. Je voulais juste rappeler aux artistes congolais que quand on vous dit à la maison, vous vivez avec votre maman, elle rentre, un jour elle vous dit que voici votre papa, c'est-à-dire que c'est lui qui est votre père. C'est-à-dire qu'elle s'est sentie digne de vous présenter votre nouveau père, adoptif ou biologique. Mais tant que maman a dit que c'est votre papa, toi tu vas dire quoi? C'est comme ça. Notre nation, on sait qui est le président depuis qu'il a commencé. C'est de là, depuis le commencement de l'histoire là. Les gens nous prennent pour des fous. Moi je suis allé voir une des légendes de la musique. Il m'a reçu chez lui, à la maison.
On a parlé. J'ai dit, viens, père. Écoutez un peu la chanson là. Bako Kendena Boloko. Ça va être bien si je chante ça avec toi. Tu sais comment il m'a. Ouais. Comment il a dit. Moi, jamais je peux chanter dans ce genre d'histoire. Est-ce que tu. Maintenant, quand aujourd'hui, l'inspecteur est en train de dire aux artistes, faut faire des chansons pour dénoncer des voleurs, des détracteurs. Des anti-valets, des bougnoules en cravate, des voleurs en costume. Papa, ils ne peuvent pas dénoncer. Ils ne peuvent pas. Donc, je me suis, à un moment donné, moi, je me suis. Si vraiment. Je le voyais appeler appel vidéo. Non, inspecteur Gilles Alinguette, il dit bon, on va recevoir Yoro, il est dehors du Congo. Recevons un peu Yoro, il va nous dire un mot. J'allais directement dire inspecteur, pardon, hein. Il faut effacer un peu de ce côté-là. Là, parce que ça n'a rien à voir. Hein. Mais il n'y a rien dedans. Pourquoi? Parce que dans ces pays, tous ces gens qui volent l'argent de l'État, il mange avec le même artiste. Voilà. Vous avez dit que votre discours là que vous avez fait là, vous avez rien fait comme discours. Voilà. Donc ça veut dire que quand, dès qu'ils avaient fini, en rentrant, en plus il n'y a pas eu de carburant, de retour. Ça veut dire que. Il dit, non, il conduit, quelqu'un conduit, il dit. Ouais. Non, moi, mon vieux père qui me donne 5 000, 10 000, 20 000 avant de voyager, moi, acheter mes vêtements luxueux. Donc, moi, je vais maintenant dénoncer pour IGF. Quoi. Moi, j'ai boire IGF. J'ai mangé, j'ai payé les cours avec IGF. Donc, voilà. C'est ça. C'est ça la mentalité des artistes. Voilà, bah, ils musiciens. Mais moi, je ne mange pas chez eux. On rappelle conscience même. Je te dis que je peux quelqu'un qui m'a impressionné, quelqu'un que j'ai vu parmi nos vieux, parmi tous les vieux qui étaient là dedans. Seul petit discours qui m'a pris, ça veut dire que j'ai dit ah ce vieux là, même si c'est aujourd'hui seulement qu'ils ont compris que IGF existe, mais au moins ça veut dire que dès le départ il savait que l'IGF faisait un grand combat. Pour aujourd'hui sauver notre humanité. Parce que l'IGF là, Gilles Alinguette, c'est qu'un inspecteur. L'IGF là, ça peut rester, ça a toujours été là. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, avec la rigueur de Gilles Alinguette là, anticorruption, c'est là où maintenant les choses. Parce que l'IGF seulement, si l'État congolais disait que l'IGF est devenu comme antifraude. Ça veut dire que dans les militaires là-bas, là, ça veut dire que les colonels, des machins, donc, tu blagues. Donc, c'est pas qu'il va aller voir justice pour arrêter quelqu'un. Ça veut dire que lui-même, il arrête. Ah, papa, ça va être bien. Ça va être encore mieux. Mais, l'IGF, il fait quoi? Il te dit seulement, bon, monsieur Martin Engi, vous avez emprunté $50,000 à la caisse de l'État en délai de 2 ans. Que vous avez signé. Et maintenant, ça fait plus de 7 ans. Si vous pouvez nous rembourser cet argent. Donc, ça veut dire que lui, il fait même pas ça. Donc, ça veut dire que lui, il vient, il finit de tout voir, les papiers, les contrats, les machins. Après, il dit, bon, j'ai fini, merci beaucoup, monsieur. Passez une bonne journée. Il part. C'est ça qu'il a fait. Il n'arrête pas. C'est-à-dire que lui, il prend un dossier là. Il envoie au parquet. Vous voyez, non? Mais si béton de béton fait que l'IGF commence à arrêter, c'est-à-dire que l'IGF peut arrêter, ça allait être mieux. Ça allait être encore plus mieux dans ce pays. Parce que ça fait mal. Regardez la gratuité d'enseignement ici là. J'ai des vidéos de 2 ans et demi passés. Dès que l'histoire a commencé, mon ami Sankara a pris tout un tableau. Avec Wera Sen à Dubaï. Bonjour à la Congo, bonjour à la Congo. Classe comme un félé. Tu n'avais pas vu la vidéo? En plein Dubaï. Classe comme un félé. Sankara de Kunta. Fatima, toi, arrêtez le temps. Sankara de Kunta. Ça, c'est pas un leader. Hein. C'est pas un leader, quelqu'un de la musique congolaise qui a fait ça. Là. Personne qui peut faire ça.
pour montrer que tu es patriote, là. C'est ce genre de choses que nous, on a besoin. Nous, on n'a pas besoin de costumes, cravates. Ouais, vous savez, aujourd'hui, on est concerné parce que on doit soutenir la vision du chef de l'État. Mais quelle vision du chef de l'État que tu dois soutenir? C'est pas la vision du chef de l'État. Hein. Ce pays-là appartient pas au chef de l'État. Ça appartient aux Congolais. C'est-à-dire que le chef de l'État, c'est notre guide. Momentanément, c'est-à-dire que notre guide de 5 ans, c'est-à-dire que après 5 ans, on doit encore relire quelqu'un. S'il n'y a que lui, on continue comme ça. Même s'il va rester là-bas, il va rester là 5 mandats. Mais au moins qu'il doit être relu à chaque fois. Renouvellement de la classe politique, etc. etc. Tout ça là, on part dans les campagnes électorales. Boum, il est encore relu. Voilà, on avance. C'est-à-dire que ce pays-là, d'abord, il faut que les artistes congolais, parce qu'on a un problème de mentalité. Nous, je ne sais pas s'il y a un problème de communication pour notre pays. Mais il y a un problème. Ça veut dire qu'à un moment donné, on ne peut pas venir te demander de faire quelque chose tant qu'il regarde la nation. Aujourd'hui, notre jalousie. Aujourd'hui, notre soif d'argent. Jusque où va nous amener? Jusque où va nous traiter comme des moins que rien? C'est ma cause de là. Donc, on ne sait plus mettre de la valeur. Ça veut dire que matin, un jour est venu me voir en tant qu'un frère. Tu as vu comme toi, tu as compris comme ça là. Il y a beaucoup de journalistes qui cherchent. Ils m'ont appelé beaucoup. Ils m'ont dit, Yoro, on a vu des chansons ici là. Boloko, on n'a pas vu les clips. J'ai jamais répondu à ça. Ah, Yoro, on a vu beaucoup des émissions où IGF, tu t'es même surnommé IGF. Ça veut dire que, parce que j'avais vu depuis. Ça veut dire que, les gens quand ils me veulent parler, IGF, ils pensent que je suis en train de parler des sociétés de mon papa. Yoroboto solana nous, lelo oyo, peuple congolais, sokazo nyokwama, azo souffrir population abisso, bino pe bozo contribuer. Ma malheur à peuple congolais. C'est-à-dire, bino pe ba musicien. Pourquoi na lobi bongo? Ba musicien belé, bozo sungape, peuple été. C'est-à-dire, mon solo ya, l'état oyo, ba ministre, ba tandeye na ndenge, ba DG, ba directeur ya ba place belé, ba zoyi ba mongo ya l'état. Mais bazo, kon collaborer na bino. Ma collaboration ezo salama ke, ba e concert na bino. Baba Mbibino, tout le monde a moutou moro pour travailler dans l'État, un ministre, $10,000. Oyo, naba commune d'être qui m'bate que kuna, bansele, batupe bazonio kama. Baselembao, bamakala, bamitendi, même naba este, ba Kintsuka, naba province ebele. Mais bino bozo beta banzembu na concert, ministre ae, DG Mokwae, a zui $20,000 à Bambio. Na kuzupe boye article $50,000 ba tapage ba mbongo zo salama lelo ba mosolo elete zo bunga mais ba bibino ba michende bozo nginda parmi ba miche be na mboka na biso est-ce que peuple oyo azolie loko tazo souffrir ba mona ba monter ba mbongo ba $20,000,000 zo bunga mais ba tuwana to mona bango pembe na bino ba musicien lelo IGF fa bengi bino ba musicien est-ce que borondi malelo. Papa, je t'ai déjà dit, hein, quand ils ont quitté IGF là-bas, là, prière qu'ils ont fait pour IGF. Parce qu'ils pensaient que IGF c'était Maïcha. Non, Maïcha Nin. Non, pour eux. Maïcha D. Non, mais oui. Non, Bandela Mounan. Oh, Bassara, la IGF, Yolo de Wazani. Maïcha D. Ah. Ils pensaient que le chef de l'État a dit allez chercher vos enveloppes là-bas pour une très belle chanson. Parce que. Moi, papa, même pour faire chanson d'hommage, ce qui m'a fait plus mal, ce qui m'a fait la honte de nos aînés, tu as bien vu pendant les funérailles du général Defao. Comment vous pourrez réclamer même un $100 alors que vous venez de perdre un frère, un ami, un collègue? Vous partagez le peu de l'argent que le gouverneur a donné. Et puis comment gouverner, il peut donner l'argent
à des moins sérieux comme ça. Comment gouverner, il ne peut pas lui-même voir la famille et donner. Mais c'est ça que je suis en train de te dire. Mm. Pour montrer d'abord qu'il n'y a pas de série là-bas. Un musicien. Eh papa, moi je ne suis pas dedans. Moi je suis un vrai dénoncé. Moi je ne mange pas chez quelqu'un. Je regarde la caméra là. Je ne mange pas chez quelqu'un. Aucun musicien ne me voit chez lui à demander à manger. Aucun musicien ne me voit chez lui demander même un billet d'avion. Mm. Aucun musicien ne me voit chez lui, ni un politicien. La chanson de la chanson patriotique ici, ça seulement ici là. Oya komeka na vachi beton, ako umela te ako longwa. Oyi bambongwa leta, oko kende na boloko. Papa, pour voir que là où j'avais compris, ah, j'ai mal fait. Et tous, ils sont sentis touchés. Parce qu'ils savent que ce sont des voleurs. Maintenant, Yoro a chanté que, ça veut dire que nous, les gens qui volent, après on ira en prison. Donc les petits là, je ne peux rien lui donner. Merci la di fumu mo konza loste. Motema mama Arlette Fumu. Patron de patron la di fumu. Moi qui ai l'audace de oser de dénoncer. J'ai rien dénoncé encore. J'ai prévenu seulement. Mais jusqu'aujourd'hui là. Mais j'ai vu l'inspecteur Gilles Alenghetti, anti-corruption, dire il faut chanter dans vos chansons. Toi qui vole l'argent de l'État. Mais papa. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens en plein réunion là-bas. Là. Ils recevaient déjà les messages. Ça veut dire que vos réunions là-bas avec Gilles Alenghetti, là, qu'est-ce qui se passe? Donc vous voulez nous matraquer maintenant. Mais tu sais que la maison que j'étais achetée, toi-même tu quittes là. Tu dis Gilles Alenghetti, ils ont un problème. Papa, ça ne peut pas marcher. Ce pays, ça peut marcher. Vous savez, moi je ne peux pas te chanter seulement parce que tu me donnes l'argent. Tant que je sais que l'argent que tu me donnes, ça t'appartient même pas. C'est pas l'héritage familial. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que je connais que Martin Engi travaille dans le ministère du Finance. Il travaille dans le ministère du Budget. Il travaille dans les trucs de l'État. Là. Ou directeur financier ou pas directeur financier. C'est-à-dire que dès que tu me donnes l'argent, je ne suis pas dans le droit de te louer, de jeter des fleurs. Pourquoi? C'est pas ton argent. C'est mon argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un gouverneur me donne l'argent, il dit que c'est petit là, je donne l'argent. Moi, je lui dirais que c'est pas ton argent. C'est mon propre argent que tu m'as seulement remis. Vous voyez un peu. L'UGF essaie de rappeler la conscience des artistes congolais. Parce que la plupart des artistes congolais côtoient les mêmes volets de l'État. Vous voyez un peu que si nous continuons comme ça là, vous savez quel est le plaisir que je gagne quand j'attends que j'ai fait attraper 50 millions qui voulait partir en couille comme ça au ministère du sport. Donc ça veut dire que 50 millions, le ministre du sport, comment il s'appelle déjà? Il s'appelle quelque chose comme ça. Il a même nom que Lukonde. Serge Lukonde. Hein? Donc je te dis que dès que on a attrapé 50 millions, j'ai pas vu, hein, j'ai pas vu ces 50 millions là, mais j'ai vu les tout, j'ai fait récupérer les 50 millions qui voulaient se disparaître comme ça dans des bêtes choses qu'il était même pas au courant. Donc j'étais content. Et deuxièmement, c'est que je voulais maintenant rappeler à l'inspecteur lui-même. Maintenant je voulais m'adresser à l'inspecteur et à l'IGF au grand complet. Ça veut dire qu'un artiste congolais, tu l'appelles pour faire la campagne. La campagne pour lui, c'est comme prestation. C'est comme quelqu'un qui l'a appelé, qui l'a appelé pour faire publicité de Cabello, pour faire publicité du jus. C'est comme ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier que même pour rentrer, il y a déjà un transport, il faut mettre. Là, vous avez déjà. Donc, là, ici, il n'y a pas les résultats parce que eux-mêmes, les musiciens, ils savent que quand il y a des gens qui disparaissent en haut là-bas, là, et ils ne mangent rien, c'est-à-dire, et ils ne peuvent pas venir chanter à ton studio, faire les morceaux, et puis dénoncer les. Ils ne peuvent pas faire ça. Voilà. Ah, ils ne peuvent pas faire ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous fatiguer. C'est un moment. On perd le temps. Ils disent, pardon, continue si tu as des gens qui travaillent bénévolement comme nous.
Parce que vous ne me payez pas. Mais pour l'amour de mon pays, pour l'amour de Fatih Beton, pour l'amour de mon vieux père Jules Alenguette, que j'aime bien. Ça veut dire que les vieux là, je l'aime bien. Je l'appelle même papa. Jules Alenguette là. Mais quand on parle de lui, ça veut dire que ce n'est pas sa société. Vous voyez un peu, non? Donc ça veut dire que c'est l'État. Et l'État là, quand il appelle un artiste, vous avez vu le président sénégalais, non? Il a appelé Fally. Vous pensez que c'était gratuit? Fally Poupa. Mais si on n'appelle pas, on va appeler à quoi? Ensemble, le président Rwanda. Mais vous aussi. Vous voulez encore faire problème parce que vous avez vu Fally Poupa manger même table où serrer la main du président du Rwanda. C'est un président. Quand Fatih Beto va à Rwanda, il serre la main là-bas. Ça ne vous dit rien. C'est Maka Fally Poupa, il est parti serrer la main. Et puis quoi? C'est Fally Poupa qui est parti chercher le président. Où ils sont croisés dans les dîners. Nous, on est des artistes, on est apolitiques. On n'appartient à personne. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Les artistes appartiennent à personne. C'est pour ça qu'on appelle artiste appartient à personne. Artiste, c'est un ambassadeur. Ça veut dire que vous donnez passeport diplomatique ou pas. Un artiste qui traverse des frontières, qui voyage, c'est un ambassadeur. Parce qu'il ne se limite pas à Tchangou. Dès que tu traverses à Brazza, tu vends l'identité de ton pays. Donc, un artiste, c'est anti-politique. On est apolitique. Merci. Voilà, dans un moment donné, maintenant, là où les Congolais ouvrez, oh non, Fally, comment il peut, même dans les photos, maintenant, les autres, ils étaient contents. Ne pensez pas que les photos, là, vous voyez, Fally met tête comme ça, qu'il a manqué de respect au président de Kagame ou du président de Rwanda. Non, c'était la façon dont ils étaient en train, tu vois, ils sont en train de parler. Tu vois comment la tête bouge, non? Ah oui, c'est bien, j'aime bien Kigali, c'est trop propre. Hein, par rapport à, je ne sais pas, quel est votre gouverneur? Quel est votre gouverneur là-bas? Si vous nous pourrez, nous avons certains gouverneurs ici au Congo. Ah, Kinshasa, Bopeto. Non, je donne, non. La façon qu'ils étaient en train de parler. Mais là, à la fin, oh oui, ça va. Parce que Fally Poupa, à ce moment-là, il représentait Fatih. C'est comme si c'est Fatih qui était en table ronde là. Voilà. Vous voyez un peu? Voilà. Donc prenez ça comme ça, et puis c'est un artiste. Ok? Voilà. Et puis il n'a pas matolé le président Kagame. Merci! Oh, président, moi, Limba, avant que je parle, il y a ça là en côté. Voilà. C'est que c'est un millionnaire. Voilà. Merci. Donc, merci vraiment, Elenga Congo TV, Martin Engi. Double vitesse affusée ensemble dans Yorobo Swag. Nde toza to solo, li solo. Il y a rencontre Oué Salamaki, parti chez Michel Nabisso. Il y a République démocratique du Congo, na inspecteur général. Donc, ensemble pour nous solo, surtout li Kambotali, Koiba Mosolo. Il y a Mboka Nabisso, peuple, Azolela, Tango Nyoso. La Difumu. Mon condi à l'ost, nakata Belgique, motema ya mama arrête fumu, bote la biso marambo zo kouya na mboka na biso, la di fumu, boss de boss. To komi la souk émission na biso. J'allais dire ceci. Donc toi tu es venu me prendre seulement pour parler de. To komi na souka comment? Non, moi je suis pas parlé de l'actualité, na souka ma souka, souka c'est à dire toujours continuer après. Dans un petit conseil, ça a dit que aimons-nous vivants. Ne mélangeons pas les sentiments et le travail. Vous voyez un peu, non? Ça veut dire que si moi et toi, nous traitons, nous sommes des collègues. Ça veut dire que même si on est rival des bêtes choses, ça veut dire que des femmes, des amis en commun ou quoi que ce soit, ça veut dire qu'on ne peut pas mélanger ça avec l'art que nous pratiquons. C'est ça qu'il a dit. C'est ça qui fait vraiment, c'est ça qui tue l'art du Congo. L'art du Congo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun artiste parmi tous les artistes qui étaient là-bas, là, qui est digne à dire quelque chose. Moi, j'ai vu que tout ça, là, c'était foutaise. Tout discours, là, c'était foutaise. À part Jean Goubal. Et j'ai dit quoi? À part Jean Goubal. Regardez leur discours. Hein, on va soutenir. Maintenant, on est conscient de soutenir. Ou ça nous rappelle. On ne peut pas te rappeler. Chef de l'État a besoin de vos soutiens parce que vous êtes des ambassadeurs. Deuxièmement, troisièmement, ça veut dire que vous d'abord, pour montrer que vous vendez bien l'image de votre pays, entre vous, est-ce que Ali Jeff là-bas, tu avais vu où est Ransone Kofi Olomide est en train de se parler? Hein? Oui. Tu avais vu Mama Tchalamouana et Félix étaient liés, tout ça, les parler et tout ça avec les Ouéra? Non. Non, hein?
Ah. Et puis tu avais pas vu, tu avais vu Bill Clinton et Inos Bill parler. Ah. Donc tu as vu qu'il y avait un problème. Il y avait un problème de tendance. Il y avait problème de tendance. Il y avait Jean Gobalé Kofi, ils ont parlé. Pour bien faire la chose. Ah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit enlever tout ça. On doit enlever tout cet orgueil qui nous amène nulle part, tout cet orgueil qui nous vend pas devant notre nation. Ici, dans notre propre nation, on sait que tel et tel ne parle pas. Merci. Vous voyez un peu. Et puis, des leaders, comportez-vous en leader. Ça veut dire qu'un leader n'attaque pas son ami leader. Ça veut dire qu'il soit petit ou grand, il ne peut pas. Parce que quoi? Si aujourd'hui, vous, des grands, vous nous montrez l'exemplaire que vous faites des rivales comme des petits gamins. Nous qui encore gamins là, on va pas vous respecter. Merci, bonsoir. Merci. Moi, temps et jumeau belé, batu belé, donc moi message pour na bah programme na yo, ils ont des nippo tout comme na suka. D'abord, Monsieur Ligef Yoro Béton que je suis, je pense que 8 mars je serai au Colésie. Batoto kolozi banapenda masuka. Batoto la baba nataka masuka. Yoro boswaje anaimba masuka. Doke masuka Bakia bakichi mama fifi Masuka baki ya baki manake batoto kolozi mina misalimu ni le père de la nation le dieu de coupe de calais congolais faut pas t'amuser avec moi je suis pas ton camarade je m'appelle yo robo. Donc le 8 mars si Dieu le veut, si Dieu nous prête vie, en tout cas aimerait bien. J'ai été déjà contacté par Christian Mumba, ça veut dire que Kolozi Lodge c'est lui qui est en train de gérer ça, mais je vous donne rendez-vous que je vais casser Kolozi le 8 mars. Moi j'aime les mamans. Moi j'aime les mamans. Ça veut dire que je pense que le 6, nous serons ensemble à la commune de Mongafula. Voilà. Là, je vais faire le don. Ouais, moi, je suis habitué à 2 jours avant 8 mars. Je fais toujours comme ça. Et puis, le 6 mars. Ouais, le 6 mars, je vais aller faire le don. Vous savez, les mamans de Mitendi ont besoin de porter de nouvelles pannes. Voilà, tous ceux qui aiment Yorobo, tous ceux qui aiment soutenir mon initiative, parce que je suis habitué de ça. Qu'on me donne, qu'on me donne pas, le peu que Dieu me donne, j'essaie toujours de partager. Malgré mes projets, je continue toujours pas à réaliser. J'avais mis en pause mon album commercial pour honorer ma nation. C'est-à-dire que j'ai fait des chansons patriotiques. Vous avez écouté Boloko. Bakokende na Boloko. Le peuple congolais a trop souffert. Le peuple congolais a trop pleuré à cause de Kimi Yibi. Le même Yibi là, c'est eux qui ont l'argent, ils ont boycotté. C'est-à-dire qu'ils ne respectent même pas les propres chefs. Et que moi, ils ne travaillent pas pour Fatia. Moi, ils soutiennent la vision. Les visions, ça veut dire que toute vision du chef de l'État, pas seulement la vision du chef de l'État, parce que Fatih Beto a plein de visions. Il faut qu'il réalise les fonctionnaires, merci, comment pour faut qu'il réalise le truc des enfants, l'école et tout ça. Là. Trop aux temps, trop Mandela, trop sur la table. En tout cas, appelez-moi sur plus 243 82 71 500 et puis 80 à la fin. Plus 243, Kodamboka Yoroboswag, le père de la nation. 82 71 500 et puis 80 à la fin. Mon WhatsApp, mon numéro direct. Vous appelez et décroche. Donc ça veut dire que je vous aime. Hein? Et puis merci encore une fois à l'IGF Anticorruption d'avoir fait deuxième Maïcha D. Mais vraiment, sauf que tout le monde qui était présent, ce sont des hypocrites. Et puis, ils ne s'aiment pas entre eux d'abord. C'est-à-dire que tout discours là que vous avez à faire, c'est parti en l'eau. Go dans l'eau. C'est parti en l'eau. Donc, maintenant, recevez le 8 mars du côté de Lualaba, précisément voilà. À Kolozi. Voilà. Kolozi, là, je vous salue. Christian Mumba, PPLM, Popol Mumba, mon gars, su, je te salue. Et puis, ma nation. Eh, ma nation. Non, Fatih Beton. Ouais, c'est pas. Dégodé. Ce dernier temps, m'appelle. Tu sais que je suis le seul à avoir Jeep qui roule sans chauffeur. Oh. Oui. Sans chauffeur. Ça veut dire que beaucoup de patrons ont de l'argent, mais ils n'ont pas du goût. Et moi, amener ça, c'est pas palissade. Hein.
c'est pas les voitures de l'État, c'est pas Vuitt de l'État, c'est pas Prado de l'État. Non, ça c'est, ça s'appelle je ne sais ça. C'est trop cher. Et puis je n'ai que ça, moi et le président américain. Pour le moment, ça roule que sur les territoires des Américains là-bas. Mais pour la première fois Kinshasa, donc ça traumatisait les gens. Je les ai dit que les choses arrivent. Donc je salue les beaux frères de la République, ces mecs de la République, Motema Mama Tété, Kevin Kamuzuna, autrement dit Aigle de Kawele, Mama Tété, je te salue. Tante, tata moi si. Motema ya beau frère de la République, ces mecs de la République, je te salue là où tu es. Toi-même tu connais. Voilà. Je salue ma nation, je salue tout le monde qui m'aime. C'est dernier temps, je ne salue pas trop de gens parce que Souman Guéroni, coucou de Braza, mon papa Raoul Ominga Brazzaville, Lucien et Bata, l'imbattable Mbongo et Batama, Orio Oil et Forbes Afrique. Je te salue. Et puis, chef Olivier, je te salue aussi. Et puis, boss Eric Mandala, hein, Sunga Bana, Sunga Peuple, Ndega Gezalaka, je vous aime et que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Rini Dagalaga, ça! Merci Ladi Fumu, Mokonzi a lost Motema ya mama Arlette Fumu na Belgique. Merci boza la branché na Elenga Congo TV. Épicerie exotique toute l'Afrique chez Glody vous offre l'alimentation bio en provenance de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Papa zana posa kolia bio. Papa zana posa kolia biloko uti mboka. Kolia mungusu, nyama ya zamba et autres. Contactez Glody au numéro 15, cours de Rifi, 65 000 Tarbes. Pour la première fois sur Haute Pyrénées, Banaya Toulouse. Banaya allemand, Banaya Belgique, Banaya Suisse. Livraison au premier niveau. Makambo ya kokende Château Rouge à Boupia. Contact et réservation au plus 33 07 58 29 62 88. Exotique toute l'Afrique. Chez Glody, c'est la meilleure, c'est la qualité, c'est la compétence. Exotique toute l'Afrique, chez Glody. Bonabo pikiliki bonjoto, Caillou et commissa papa cowboy fatigué. Maman bima mon pépé. Papa qui fait le premier round, a commis qu'on ronfle le col angoulou à Mélis savon. Solution et mon ami et paille à toute l'Afrique, chez Glody.